Arrestation de trois malfaiteurs dans le département de Bakel, localité située à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. La prouesse a été réussie par les gendarmes de la brigade territoriale de la localité. Il s'agit de trois Sénégalais, originaires du Mali, impliqués dans plusieurs attaques à main armée dans le département de Bakel, dont la dernière attaque remonte dans la nuit du dimanche aux environs de 23h dans la commune de Balou. Ces malfaiteurs, dont les identités ne sont pas encore révélées pour les besoins de l'enquête, sont tombés dans le panier à salade des Pandores ce mardi dans la matinée au cours d'une opération de sécurisation menée à la frontière sénégalo-malienne. Il se trouve présentement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Bakel. Cette bande constituée de cinq éléments qui opéraient à bord de véhicules banalisés de type 4x4, désignés également comme auteurs de l'attaque à main armée d'une station d'essence à Kidira, avant de tirer plusieurs balles sur le pompiste qu'ils ont atteint au niveau du dos. Ces trois malfaiteurs ont été arrêtés en possession de plusieurs armes à feu et des armes blanches, en plus d'une importante somme d'argent. Al Sandiallo Bakel, Radio-Télévision Wolof Fadjiri.